Et yop, tout le monde, c'est Valorcet, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Fortnite, comme d'habitude, je suis sûr seulement. Donc les gars, j'ai dû recommencer la vidéo là, comme mon micro il bug. Il y en a qui l'ont déjà aperçu en live, le petit problème du micro que j'ai. Donc les gars, là je recommence, enfin je la refais, mais s'il y a encore le bug, bah tant pis quoi, vous allez pas comprendre. Au pire, c'est pas grave, coupez le son. Donc vous voyez, voir à l'écran, j'ai mis les actus. Au milieu, vous avez du coup Imposteur. Donc c'est les nouvelles missions dans les zones... Friche éclatée. Du coup, ce sera une zone où tu devras entraîner Denis à devenir un guerrier dans la zone du coup que je vous ai dit. Donc voilà. Pour dévorer le roi des burgers de la base. Donc apparemment, toi, du coup, ben skin, j'imagine, enfin un héros, j'imagine, non? Putain. Pour déverrouiller le roi des burgers de la base. Ouais, je pense que c'est un héros du coup. Enfin bref, on s'en fout. Du coup, vous pouvez le voir si je vais directement dans les défis aventure. Il y a imposteur et quête de défi. Du coup, les potes, imposteur, c'est simple. Il faudra que tu casses des rigs, des pompes à essence ou des barils dans la zone du coup que je vais vous montrer juste après. Et en même temps, dans cette petite zone, tu auras des petits trucs sympathiques à faire. Déjà, accomplir une mission. Voilà, ça c'est simple. Tu auras des tickets d'aventure à chaque fois. Dans chaque mission, tu as des tickets d'aventure. Des XP d'aventure, pardon, pas des tickets, des XP. C'est pour monter les niveaux, mais je vais vous montrer ça juste après. Du coup, il faudra que tu fasses des kills contre des kills normales, 300. Et des contre les mastocs, contre les gros zombies un peu avec leur t-shirt gris. Donc voilà. Donc ça, c'est fait. Après, il faudra que tu détruises des chariots aussi. Des chariots de mine. Donc voilà, il faudra que tu fasses des kills au pistolet ou au pistolet mitrailleur, donc c'est assez simple, c'est 1150. Et il faudra que tu ramasses 10 bleudites, encore une fois. Donc après, j'imagine qu'à chaque fois que tu fais une quête, tu auras une autre quête, jusqu'à faire toutes les quêtes, tu vois. Du coup, je vais vous montrer la zone qui se trouve juste ici. Vous avez vu qu'il y a écrit zone d'aventure. Et du coup, l'émission se fera ici. Du coup, vous voyez qu'à chaque fois, tu as 175, 2160, enfin etc. 2650. À chaque fois, tu auras des tickets d'aventure pour monter la barre de niveau que vous voyez en haut. Il y a écrit niveau 1. Vu que j'ai pas encore lancé de mission. Mais après, niveau 2, tu as des tickets. Niveau 3, etc. Là, je peux pas vous montrer ce qu'on peut gagner à chaque fois, chaque niveau. C'est dommage. Mais c'est un peu comme la collection, du coup. C'est un peu comme la collection. Donc là, voilà. Niveau 5, tu as un lama, par exemple. Bon, là, je peux que vous dire ça. C'est la seule info que je peux. Donc évidemment, vous pouvez, pour avoir des XP d'aventure, c'est que dans cette zone-là que tu pourras les avoir. Et pas dans les zones normales que je vais vous montrer d'ailleurs à l'émission du jour qu'il y a. Alors déjà, je vous ai, à Fontainebleau, du coup, il n'y a pas grand-chose. On va pas se mentir, il n'y a que... À la limite... celle-là qui peut être intéressante, il y a encore, c'est juste 50 manuels d'entraînement, donc c'est pas ouf. Après à Villeplanche, si je me trompe pas, bah il n'y a pas grand chose non plus. Nope, il n'y a pas grand chose non plus. Hein. Je vous le dis aujourd'hui, il y a pas mal de missions en x4. Enfin déjà mieux que ces deux derniers jours. Voire même trois derniers jours en vrai. Et là, du coup, Villeplanche, non, si je me trompe pas, il n'y a rien, voilà. À Morne non plus, il n'y a rien. Il y a juste une petite mission V-Bug que je viens de faire juste avant, du coup, le temps que ma vidéo se mette. Mais du coup, vu qu'elle a full bugué, bah, je l'ai supprimée. Et là, je la refais, mais bon, je pense que ça va encore bugger. Hein. Bon, tant pis, écoutez, hein. Coupez le son, comme je vous ai dit. Ok. Et ouais, sinon il y a des petites armes épiques hein, comme d'hab à droite à gauche ou même légendaires. Si vous voulez des motifs d'armes, des trucs comme ça, c'est toujours intéressant à faire. Et le boss Marne il donne 18 fous dans la bouteille. Du coup, c'est plus à pique que ça commence à être intéressant. Regardez, je vais vous montrer. Donc tac, une petite arme épique. Là t'as un x4 fous dans la bouteille. J'essaie de faire ça assez rapidement vu que mon micro il bug, au moins je vous entendais le moins possible. Donc là t'as un x4 fragment de tempête avec des récupérateurs, voilà. T'as de l'XP de schéma avec un 43 fou dans bouteille, ça reste correct. Après il y a quoi?
faudrait que je m'achète un casque, du coup. Ça me fout un peu le seum, faut que je rachète un casque. Donc là, Survivor Epic, pardon, pour les manuels d'entraînement, ou si vous êtes petit niveau, ça peut aider. Un petit Survivor Epic, ça fait le taf, t'as pas besoin d'avoir des légendaires partout. Donc voilà. Donc là, comme j'ai dit avant, dans ma vidéo précédente plutôt, que j'ai supprimé du coup, mais il y a quand même 5 personnes qui ont réussi à l'avoir. Mais bon, du coup, ils ont. Et voilà. Fragment de tempête x4 avec un 63 fond d'embouteille, c'est plutôt intéressant. Tu as le x4 œil du cyclone avec 45 œil du cyclone en plus, qui est vraiment intéressant, je pense. Après, un œil du cyclone, c'est pas la plus intéressante, je vais vous montrer ça juste après. Donc là, en x4 récupérateur encore, avec des décuplateurs épiques, donc c'est plutôt pas mal. Là, on s'en fout, là, on s'en fout. Enfin, celle-là, elle peut être intéressante pour l'XP de survivant si vous avez pas. Moi j'en ai blind, donc voilà, j'en ai pas besoin. Du coup voilà, je vous laisse regarder hein. Après tu as cette mission qui peut être intéressante, pourquoi pas. 184 gouttes de pluie avec un XP de héros. Après il y a quoi? Il y avait celle-là je crois qui était intéressante. C'est un peu la même que hier, sauf que hier c'était en livrée la bombe. Et en x4 récupérateur, mais sinon c'est exactement la même. Tu as celle-là, x4 XP de schéma avec 215 décuplateurs lèges. Puis après, voilà. Et là, t'as les 3 missions 144 joueurs qui sont vraiment intéressantes. T'as un x4 goutte de pluie en évacue le refuge, 276 décuplateurs épiques en plus. Un x4 goutte de pluie encore avec 325 000 XP de survivants. Et du coup, un x4 œil du cyclone avec 325 XP de survivants, encore une fois. En récupérant les données, en chevauche la foudre, en évacue le refuge. Franchement, c'est des missions assez accessibles à tout le monde. Et les potes en code corrompu, y a rien, je préfère pas vous le montrer. Enfin, à mon niveau, en tout cas, y a rien. Attends, comment on va? Ici, voilà, code corrompu. Du coup, je vous montre, y a pas vraiment, y a rien. Y a des 110 gouttes de pluie de temps en temps, quoi. Y en a deux. Mais à mes missions 108, 132, 124, 140, mes couilles là, y a pas. Après, en plus bas niveau, peut-être y aura quelque chose. Mais je peux pas te dire du coup, vu que je suis pas avec un petit niveau pour me faire descendre la puissance. Voilà. Du coup, les lamas, bah aujourd'hui j'ai que de la merde. Et j'ai pas de lama qui déchire, malheureusement. J'ai pas assez farm pour avoir un petit lama de fin de vidéo. Du coup, voilà, je vous laisse là-dessus. Désolé pour le son du micro, il faut que j'en rachète un autre, mais bon, c'est pas grave. Et puis, du coup, je vous retrouve demain pour vous présenter un peu l'avancée de l'aventure. Ciao.